Occident chrétien, l'Église était toujours au cœur de la vie des hommes. Les sacrements, de la naissance à la mort, ponctuaient les étapes d'une existence. L'Église est la mémoire durable d'un long passé. Nos ancêtres ont franchi ses portes, hanté ses lieux. Beaucoup dorment là, sous ses voûtes, ou tout près, dans le cimetière herbeux qui l'entourait. Mais fut-elle vraiment le premier lieu de culte à Beaulieu? On peut en douter. Les découvertes archéologiques nous guident au hameau de Mimbré. Mieux qu'un hameau, une bourgade. Autrefois, une ville. Son sous-sol recèle une énorme nécropole, mérovingienne sans doute. Les sarcophages sont partout, presque à fleur de terre. La toponymie met en avant le nom de Saint-Martin. Cet évêque, infatigable, charitable et bon enfant, fut le plus populaire des apôtres en notre pays. On lui dédia presque 4000 églises. Mimbré devait avoir la sienne, au moins une chapelle, à l'emplacement de la maison de Madame Aigrot. Avec certains vestiges, on a retrouvé un bas-relief primitif, d'une facture un peu fruste, représentant l'agneau pascal. Dans le bourg même, une crypte pré-romane existe encore. Les premiers chrétiens se réunissaient sous terre, dans des grottes, des caves, fuyant les regards hostiles et délateurs, craignant les persécutions. Et même la sécurité revenue, ils continuèrent ces pratiques. Les cryptes étaient des lieux sûrs pour des reliques péniblement acquises et âprement convoitées, plus précieuses encore que leur chasse d'or et de pierreries. Et le pilier central, vigoureux et généreux, qui s'épanouit comme un arbre, n'a-t-il pas valeur de symbole? À coup sûr, la crypte de Madame Moreau, dans sa fraîcheur et la pénombre de flammes vacillantes, se prêtait bien au recueillement, à la méditation, à la prière. Et puis, l'architecte et le maçon s'affirment. L'espace s'enfle. On ne craint plus les hauteurs. L'église n'est plus à dimension humaine, puisqu'elle est bâtie pour Dieu. Elle est très haute, la voûte de Beaulieu. On y a refusé la pierre trop pesante. On a préféré le bois, une ossature de chêne, comme pour un navire. On y a cloué des planches. Hélas, elles n'ont pas résisté au siècle. Le plâtre a pris leur place. L'église romane est sombre. Point n'est besoin de lumière pour prier. Les ouvertures sont petites. Chaque, évidemment, est un point faible dans une maçonnerie. Pendant longtemps, ces fenêtres ont été privées de vitraux colorés. Notre siècle les en a pourvus. Vitraux aux tons chauds et lumineux, immortalisant
le nom des donateurs. Les siècles ont passé. La nef n'était qu'un bras de la croix latine que le transept et le sanctuaire ont parachevé. À la base d'un arc, sur une pierre, on lit la date mai 1647, avec l'inscription Jacques Pellerin, lieutenant de Beaulieu, m'a ici posé. Le gothique triomphe dans toute sa splendeur. Quel élan dans ses colonnes et ses arcs ogivaux. Quel feu d'artifice de verticales orgueilleuses. Quelle vigueur et légèreté mêlée. L'architecte a vaincu, du même coup, la pesanteur et les ténèbres. Il connaît la cathédrale de Bourges, l'architecte, et reproduit ici les mêmes piliers, les mêmes colonnettes engagées, les mêmes courbes. C'est que les chanoines de Bourges sont les seigneurs de Beaulieu et le guide dans son travail. Le cœur est leur domaine, cerné d'une grille et interdit à la grosse foule. N'y auront accès que les autres seigneurs locaux, ceux de Courcelles, d'Assé, les fonctionnaires royaux, le bailli, le notaire et les échevins. Ces chanoines, riches et puissants, souhaitent une grande église digne de leur chapitre. Saint-Étienne protège Bourges. Il protège aussi Beaulieu. Il est là, à la place d'honneur, ce premier témoin du Christ, le premier martyr de la chrétienté, lapidé à Jérusalem. Le baroque, magnifique et foisonnant, remplit tout. Maré d'enjolivure, il bouillonne, déborde, garnit les panneaux, encadre les tableaux, jetant partout ses ors. Le baroque a horreur du nu, il aime l'abondance, il ajoute et surajoute et accumule feuilles de vigne et feuilles d'acanthe, lauriers, fleurs et crochets, angelots joufflus, nœuds et rubans. Tout est semé à profusion dans le saint lieu. Rien n'est trop beau pour glorifier le Seigneur. Saint Pierre de Rome a envoyé ses colonnes torses. Le Bernin les préférait aux colonnes grecques, trop simples, trop droites, trop rigides. Et pour faire bon compte, on les a jumelées. Le tabernacle est de la même veine, soigné, ciselé, brodé, croulant de motifs. L'iconographie s'y veut didactique. Tout est symbole. Le triangle, c'est la Sainte Trinité. Les rayons du Saint-Esprit diffusent la sagesse.
L'agneau qu'on va sacrifier, c'est le Fils de Dieu. L'épi de blé et le raisin sont l'Eucharistie. La branche d'olivier alimente le Saint-Crème. Les mystères de l'Apocalypse sont derrière les sept sceaux. Il fallait la couleur de tableau pour rehausser l'éclat du retable. Deux martyrs rejoignent Saint Étienne. Saint Laurent, diacre de la papauté, sûr de sa foi, méprisait les persécutions et la mort. Il périra sur un gril, brûlé à petit feu. Sainte Barbe porte la tour qui fut sa prison. Elle aussi connaîtra le bûcher. La Pentecôte est la plus abstraite des fêtes religieuses. Les chanoines, intellectuels et théologiens, l'ont choisie. Elle s'adresse à l'esprit. Elle est souffle divin, message de la connaissance. Peu importe que le peintre ait confondu la colombe et les langues de feu. Peu importe que la Vierge ressemble à Marie de Médicis. Peu importe que les apôtres soient habillés à la romaine. Le miracle vient de s'opérer. Après un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux, nous dit Saint Luc, tous sont transfigurés. Ils ont reçu l'amour, la sagesse et la science, ils partiront de par le monde. Et c'est le début d'une Église universelle. La nef est aussi un musée. Le sujet le plus classique, le plus traité au cours des siècles, c'est bien la crucifixion. Rien de nouveau dans cette facture traditionnelle, avec recherche très sage de la symétrie et de l'équilibre. La surprise, c'est la présence d'Adam au pied de la croix. Est-ce parce qu'il a été créé, selon la Bible, en ce lieu, au mont des Oliviers? N'est-ce pas plutôt parce que la rédemption est comme une nouvelle création de l'homme? L'anachronisme est là aussi dans ce tableau, puisque nous voyageons des origines du christianisme jusqu'au Moyen-Âge avec ses trois saints. Mais l'Église n'est-elle pas une et indivisible? Et l'unité de la pensée ne vaut-elle pas mieux que l'unité de temps? Saint Sébastien, officier romain, meurt percé de flèches. L'imagination des persécuteurs était féconde dans le raffinement des supplices. Saint Martin, dont nous avons déjà parlé, lui aussi, soldat romain, ne fut point martyr. Malgré sa modestie, il devint évêque de Tours et fonda l'un des plus prestigieux monastères de l'époque gallo-romaine, à Marmoutier. Saint Roch, bien connu des Belles-Océans, puisqu'il a sa chapelle
dans l'église, fut le pèlerin infatigable qui secourait les pauvres, soignait les malades en ce sombre 14e siècle de guerre, de famine et de peste noire. Et voici un tableau à la gloire des dominicains. La Vierge donne le rosaire à Saint Dominique et à Sainte Catherine. Un esprit nouveau souffle avec eux dans ce 13e siècle de grandeur et de violence. Violence des guerres, des croisades, des persécutions contre les hérétiques, de brimades contre les juifs. Un homme, Saint Dominique, pense et dit bien fort que le glaive ne peut rien contre l'esprit, que le culte de la Vierge conduit à la douceur, à la pureté, à l'amour, que la richesse est méprisable. Un siècle plus tard, Sainte Catherine de Sienne reprend ses analyses, mais avec une telle maîtrise que le rayonnement de son intelligence est parvenu jusqu'à nous, puisque c'est au XXe siècle qu'elle a été reconnue docteur de l'Église. Il est rare de trouver dans une Église un mobilier aussi important et aussi homogène dans sa facture. En moins de 25 ans, pendant les 25 dernières années du règne de Louis XV, notre Église s'est trouvée meublée de neuf. Jamais, sans doute, le conseil de fabrique n'avait disposé de tant d'argent. Propriétaires terriens, laboureurs, bourgeois sont des gens riches et généreux. La dîme des pauvres fournit le reste. Il est ce mobilier de chêne ciré et sa conservation est excellente. Pensons à Louis Bedu, menuisier à Léry, qui pendant 5 ans de sa vie travailla pour notre Église. Il réalisa ses bancs fermés, typiquement berrichons. Les familles les plus aisées les louaient à l'année. On les gardait de génération en génération, jalousement. L'un des derniers grands bienfaiteurs de l'Église, au siècle dernier, a été MacDonald, maréchal d'Empire, duc de Tarente, alors Bel-Océan, au château de Courcelles, à l'âge de la retraite. C'est à lui qu'on doit la réfection de l'entrée principale, dans le pignon ouest. Elle a été agrandie, avec toute la majesté solennelle du style Empire. Le tableau de la chapelle Saint-Roch, il l'aurait rapporté de Catalogne, où il a séjourné pendant la campagne d'Espagne. Ce concert à la Sainte Famille est un bel exemple de la peinture baroque espagnole. C'est aussi lui qui fit remplacer la grille du chœur, disparu pendant la période troublée de la Terreur. Et cette nouvelle grille porte ses initiales. Cette grille n'est plus une barrière. Le pauvre, comme le riche, peut la franchir à son gré. Bâtiment public depuis 2 siècles, entretenu par tous, l'Église s'ouvre à tous, croyants ou non-croyants, amoureux du silence, de la pénombre, de la paix, de la beauté
de la musique. Mais elle s'anime à l'occasion pour chanter la vie des hommes et la gloire de Dieu. Alors, elle se part, se fleurit, retentit de cœur et de fanfare. Accueillir et rassembler tous les hommes de bonne volonté, n'est-ce pas là sa vocation première? Oh,